Alors, je pars du principe là que vous avez travaillé l'arpège suffisamment, un petit peu correctement, pour pouvoir l'automatiser. Et comme ça veut dire que la main droite ne vous pose pas de difficultés particulières. Si vous l'avez bien automatisé pour la main droite, vous allez pouvoir comme ça vous concentrer sur la main gauche, ça sera plus facile. Donc maintenant, on travaille la première position et la mélodie. Donc on va travailler d'abord sur quatre mesures. Vous voyez, les mesures, c'est-à-dire quatre paquets de trois notes. Alors d'abord, la mélodie toute seule pour la mémoriser un peu. Quatre fois. Ensuite, donc avec le petit doigt ici. Alors petite parenthèse très importante. On peut avoir tendance à jouer seulement avec un doigt, et quand on est complètement débutant et qu'on ne suit pas de cours, on peut avoir envie de tout faire au doigt parce que ça paraît plus simple. Effectivement, du point de vue de l'approche, on peut dire logique, ça paraît beaucoup plus simple. C'est une très mauvaise habitude, il ne faut pas du tout le faire parce que la facilité que vous avez au début, ça va devenir ensuite après une énorme limitation. Comment vous voulez jouer rapidement avec un seul doigt? Par exemple, si vous faites... Vous voyez que vous êtes vite limité. Par contre, si vous utilisez les doigts, ça ne pose aucun problème. Donc, c'est-à-dire au piano, c'est la même chose, hein. Donc, la première chose à faire, c'est de respecter les doigts, de mémoriser quel doigt vous avez utilisé. Donc, pour la première note de ce morceau, on utilise le petit doigt sur la septième case. Et on le fait quatre fois. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va utiliser le deuxième doigt sur la cinquième case. Et on va le faire une fois. Voilà. Ensuite, on va faire glisser ce deuxième doigt sur la troisième case. Ensuite, le premier doigt, deuxième case. Et ensuite, à vide. Ce qui donne 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 1, 0, 0. Voilà. Donc d'abord, entraînez-vous à faire ça. Voilà. Et comme avant de faire cette leçon, vous avez suivi mes conseils et que vous avez bien travaillé l'arpège et que la main droite ne vous pose pas de problème, maintenant que vous savez jouer cette petite mélodie comme on vient de le voir, vous rajoutez l'arpège, sans la basse d'abord, ce qui va donner... On recommence. 2, 3. Et maintenant, on va rajouter la basse. Vous avez vu, premier paquet, on a mis la basse, ensuite. Je vais le faire encore plus lentement. 2, 3.
Voilà, j'arrête cette partie de leçon ici parce que je pense que c'est largement assez de boulot comme ça. Et si ça, vous arrivez à le faire bien, voire même très bien, la suite va être facile à côté. Hein. Donc voilà, bossez ça bien et on va voir la suite dans la prochaine vidéo. Ciao !